Hier, j'ai vu l'ex-mari de notre star, de notre diva, allumer sa caméra, raconter tout son cinéma et tout, et tout, et tout. Alors, nous allons commencer par la jeunesse. Nous allons commencer par la jeunesse. Je pense que ce monsieur a oublié l'acte qu'il a posé. Je pense que il ne s'en rend pas compte de l'acte qu'il a posé. Tata, tata, bonjour. Il ne s'en rend pas compte de l'acte qu'il a posé. Ce monsieur est la cause, je dis bien, est la cause de la descente aux enfers de l'artiste. Ce monsieur. Ce monsieur que je respecte beaucoup. Vous savez, mais sous le moi, je ne suis pas dans les histoires de clash. Je ne suis pas mal élevée. Je vais insulter les gens. Je ne suis pas. C'est juste que, à un moment donné, il faut savoir dire à certaines grandes sœurs et aux grands frères que ce que vous avez fait là, bien ce que tu as fait là, n'est pas bien. Nous avons cette habitude sur les réseaux sociaux où on prend tout ce qui est négatif, où on applaudit tout ce qui est négatif, où on déroule le tapis de tout ce qui est négatif. La vérité, on la cache. C'est-à-dire que quand tu vas vouloir dire la vérité, on va vouloir te museler. Tu ne parles pas. Pourquoi? On trouve juste que les gens qui font du sale règnent sur les réseaux sociaux. Les gens qui n'apportent que la discorde et le mensonge, ce sont eux qui doivent régner sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que quand tu as une petite part de vérité, ou bien tu as une petite analyse positive, ou bien vouloir ouvrir les yeux aux gens, on va te dire que non, 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 non. Pourquoi tu parles? Tu vas clasher les gens, tu vas faire ceci. Non, pourquoi vous devez donc laisser à certaines personnes de parler, de terner d'image de certaines personnes? Pourquoi? Pourquoi vous le faites? Pourquoi il y a une catégorie de personnes, en même temps ils ne disent pas la vérité, qui sont là juste pour ternir l'image des autres? Pourquoi? Pourquoi vous laissez ça? Moi, ça ne m'arrange pas. Déjà, de un, je n'aime pas l'injustice. De deux, quand je vois les choses comme ça, je me dis, ah oui, si je me tais moi-même, ça veut dire que je suis complice. Monsieur le Rastaman. Vous savez, je n'aime pas souvent indexer les gens. Voilà, avec tout le respect que je vous dois, vous êtes l'auteur-compositeur de tout ce problème. Tout ce que vous avez fait hier là, ça s'appelle de l'hypocrisie. Do you understand me? Tout ce que vous avez fait hier là, ça s'appelle de l'hypocrisie. Quand vous venez parler des affaires, les choses, ça peut être un stylo. Remets-moi mes choses. Ça peut être un bonbon. Remets-moi mes choses. Ça peut être un caleçon. Les choses qu'on associe à ce qu'on réclame, toi-même, tu sais au fond de toi que ce n'est pas ça. Quand tu viens donc t'asseoir, tu dis, remettez-lui ces choses. Est-ce que tu as regardé, en fait, tu as quand même, je ne sais pas. Est-ce que tu te rappelles quand même qu'à la base de la base, on avait demandé à ta quota d'aller chercher ces choses? Elle a dit qu'elle ne partait pas. Elle a payé le loyer dans cette maison. Elle a fait ceci. Moi, j'ai mes preuves que moi, je ne peux que sortir devant le tribunal. Ce n'est pas devant Facebook que je vais sortir certaines preuves. Parce que j'ai vécu ce problème l'année dernière en live, en direct. J'ai eu la personne. Elle m'a même jusqu'à faire les promesses même. C'est quand elle n'a pas tenu à ses promesses que ça m'a énervé que non. Tu ne peux pas ternir l'image d'une personne qui ne t'a rien fait. Tu ne peux pas ternir l'image d'une personne qui n'a jamais même bloqué tes choses. Comme que tu appelles tes choses. Tu n'as jamais terni l'image. Tu ne peux pas le faire. Comment tu viens t'asseoir devant le monde? Dis je veux, je veux, je veux. Et pourtant, on t'a dit viens chercher. Tu as commencé à envoyer les vectos. Je viendrai quand j'aurai envie. Je ne viens pas. J'ai payé les factures. Je suis ceci. Tu ne peux rien me faire. Au jour d'aujourd'hui, tu fais comprendre à 1 million de personnes que tu veux tes choses et pourtant tu ne veux pas tes choses. Tout ce que tu veux, c'est de ternir l'image. Et en commençant par l'ex des ex, le père qui a les cheveux, en commençant par lui, s'il était le premier, mon père. Moi, mon problème avec toi, je n'ai pas de problème vraiment personnel, personnel, mais en tant que femme, en tant que beaucoup, beaucoup de Camerounaises, beaucoup de Camerounais qui te voyaient comme ça, tu es devenue comme ça. À partir du moment où tu as allumé ta caméra, tu as commencé à éternuer l'image de ta femme, ex-femme. À partir de ce moment, même si tu étais crédible comment, papa, Facebook n'est pas un tribunal. C'est-à-dire que
Et il y a des règles, comme vous ne connaissez pas des règles, à ne pas franchir. Tout le monde peut faire. Ça veut dire que la voisine peut te parler, on s'en fout. Le collègue peut te parler, c'est rien du tout. Une passante même dans la rue, vous prenez la tête et te parle mal, c'est rien du tout. Une ex-amie même peut te parler, c'est rien. Une ex-copine peut te parler, c'est rien. Copine, copine entre nous les femmes. Un pote même peut te parler mal, sortir tes vérités, c'est rien. Mais il y a des règles à ne pas franchir sur les réseaux sociaux. Il y a le frère de sang, même père, même mère. Il y a l'époux, le compagnon, la compagne. Quand celui-là allume déjà la caméra, commence à ternir ton image, devient automatiquement ton ennemi juré. Je ne sais pas si tu as compris cette règle. Dès lors où tu as ouvert ta caméra, tu as commencé à parler d'une femme, la femme avec qui tu étais. Depuis ce jour, les gens qui ont la cible t'ont enlevé dans leur cœur. Oui, quand le nom de Margouya est sorti, c'était exactement ça. Exactement le Margouya. Parce que tu t'es exactement comporté comme le Margouya. Un homme ne se comporte pas comme ça. Nous-mêmes dans nos familles, nous avons des gens où on ne se parle pas. On ne se dit même pas bonjour. Nous avons des ex. On se déteste même. Un ex, que tu le vois comme ça, tu traverses la route. Tu ne peux même pas lui dire bonjour. Mais franchir le cap d'allumer la caméra, de parler de cette personne, c'est aussi une manière de poignarder la personne, de tuer ou d'empoisonner la personne. Tu as fait mal, papa. On ne te dit pas la vérité. Les gens qui t'encouragent ne t'aiment pas. Et tu as vu jusqu'aujourd'hui ta descente aux enfers. Tu pouvais avoir tous les problèmes du monde avec ta femme. Il y a les hommes ici qui vivent de ces situations dans les couples. Il y a les femmes qui vivent de ces situations dans les couples. Si tout le monde venait clasher son ex. Quand on remonte, on va refaire la genèse. On remonte dans le temps. Papa le Rastaman, ici sur la toile, pour ceux qui n'étaient nous avons vu la nudité de la mère de tes enfants. La femme, tu as fait beaucoup d'enfants avec cette femme-là. On remonte, hein? On remonte les... Voyez un peu. On recommence par la genèse. Nous avons vu la nudité de ta femme. Vous avez eu vos problèmes. Personne ne s'est mêlé. On s'est dit que tu es un homme qu'on a mis à la porte. Un homme peut-être battu, un homme maltraité, les vidéos circulaient. Les gens, il y avait encore le bénéfice du doute. Les gens se disaient que peut-être c'est la femme là qui est mauvaise ou bien c'est l'homme-ci qui est. En fait, les gens prenaient ça avec les pincettes. On ne connaissait pas le personnage. Ça veut dire que quand on te voit avec la star, on commence à dire à la star que attention, toi, ce monsieur a déjà eu affaire ci. À la mère de ses enfants. Ça veut dire que le monsieur s'y peut faire pire. C'est pour ça, mes sous-lof, quand je viens m'asseoir ici, je vous donne les conseils. Ce n'est pas pour rien cadeau. Hein. Celui qui a eu à voler dans le temps, c'est rare de voir un voleur changer. Celui qui a terni, qui a saboté, ne change pas. L'habitude est une seconde nature. C'est pour ça, tous les jours ici, je me viens m'asseoir et je vous dis, demandez le discernement. On a vu la nudité de la mère de tes enfants en train de s'exciter. Avec les seins qui arrivaient au ventre. Tout le monde disait que c'était toi. Quelques mois avant que, quelques 6 semaines avant que tu ne viennes clasher ta femme, la mère de tes enfants s'exisait ben déjà sur les réseaux sociaux en faisant les posts visés. Remontons sur le temps. Parce que les gens qui viennent vous voir aujourd'hui ne vous connaissent pas. Parfois nous sommes ici sur les réseaux sociaux. Hein. On voit, on ne parle pas. Tu te dis que ce n'est pas mon affaire. Oh. Je ne regarde pas. D'autres qui voient avec les yeux de je ne sais quoi. Nous, on voit avec les yeux d'analyse. On regarde, on analyse, on ferme la bouche, on observe la scène. Tu te dis que ça ne me regarde pas. Ça ne me concerne pas et ça ne va jamais me concerner. La mère de tes enfants faisait déjà les posts
bien écrit, Martella certifié. Les mêmes mots que j'entends aujourd'hui chez ta copine, que tu dis que c'est ton 10. Celle que tu dis que non, c'est ton bras droit. Les mêmes mots que ta soi-disant copine là utilise. C'est les mêmes mots que tu utilises dans ton direct et tu veux nous faire croire que tu n'as rien à voir derrière tout ça. Je ne te crois pas, tonton. Les mêmes mots, les mêmes insultes, les mêmes cibles, les mêmes personnes. Hein? Les mêmes personnes. Depuis que tu dis donc que c'est ton ami, c'est toi qui l'as amené là-bas, papa. On va comprendre, oui. Mais pourquoi depuis qu'elle lave cette femme, tu ne l'appelles pas à deux? Papa, nous n'avons pas besoin de tes directs. Papa, n'allume pas la caméra. Ça te rend même encore plus margouilla. On ne veut pas ça. Tu n'as pas son téléphone. Appelle ta quota. Tu lui dis que c'est moi qui t'ai amené chez cette femme. Tu es milliardaire, non? On dit que tu as l'argent. Les marmites, c'est quoi? Achète-lui les marmites. On avance. Vraiment, Allah l'Olympe, hypocrisie. Le père, tu es hypocrite. Dès lors que tu as allumé ta caméra, tu es venu clasher ta femme, tu es sorti de mon cœur. Malgré peut-être que tu pouvais avoir raison. Un homme ne se comporte pas comme ça. Imagine si tous nos ex faisaient ça. Imagine si tous nos ex faisaient ça, papa. Imagine si nos frères et sœurs faisaient ça. Que entre vous, mes sœurs, vous voilà ici, non? Ton ex vient, l'allume la caméra. On va lui dire qu'il a raison. Même quand il va raconter du n'importe quoi, on va dire qu'il a quand même été avec toi. C'est là où tu as fait mal. Depuis ce jour, tu es sorti dans le cœur de beaucoup de personnes comme ça. Hier, qu'est-ce que tu faisais? Remets-lui ces choses. Elle n'a qu'un vieux frigo et quelques mengangas caleçons. J'ai demandé personnellement à cette dame, je t'accompagne. Elle m'a dit, tu m'accompagnes pourquoi? J'ai demandé personnellement, elle m'a dit, j'ai les voices. C'est devant le tribunal que je sors les voices. Je n'étais jamais vue à côté de Lady. Vous pensez que les amitiés, c'est qu'il faut se frotter tous les jours. Vous connaissez ce qu'on appelle le respect. Moi, je me respecte. C'est une femme qui se respecte aussi. Être ami, même, ce n'est pas mon ami. Ce n'est pas mon égal. C'est une star, c'est une icône. Ce n'est pas ma catégorie. Disons-nous les vérités. Les oiseaux s'amusent par catégorie. Il faut donner à César ce qui est à César. Ce qui tue cette femme, c'est son bon cœur. Ce n'est pas elle qui m'a envoyé. Et je ne clash personne. Je parle à titre personnel. Parce que c'est comme ça que vous êtes. La femme de Truy ne parle pas. Dès qu'une personne parle, vous allez arrêter. Mia woko swan. Abimo swante. Même pas une petite honte comme ça là. Hein? Même pas une petite honte comme ça là. Et il y a ces choses là-bas. Remets, quand tu partais, pourquoi tu n'es pas parti avec elle? Comment toi tu pars devant, tu la laisses derrière? Quand tu quittais le mariage, quand on te chassait, on t'a chassé. J'ai ses numéros. Si j'ai envie, elle, tu n'as aucun de ses numéros parce qu'elle n'a plus les mêmes numéros. Depuis From. Vous venez souvent tromper le public, vous venez tromper les gens sur les réseaux sociaux. Vous n'avez zéro contact. J'ai dit, elle ne veut même pas. J'ai dit, même ton nom, même imaginez si tu vis. J'ai ce numéro. Pourquoi tu n'arranges donc pas ce problème? Depuis qu'elle insulte là. Vraiment, il faut vraiment que l'affaire si s'arrange. Tu ne veux pas que ça s'apaise. Ça t'arrange. Margouya, A, B. Puis me bête. Quand même, quand il y a une catégorie, que vraiment, même le comportement, vraiment. Zamba, si Dieu pouvait souvent nous montrer le cœur de nos hommes qu'on rencontre ici d'ailleurs. Ouais, Azo me bindi. Azo zurdia yibi, ouais. Azo zurdia yibi, ouais. Mes sœurs, je ne sais pas. Parce que moi-même, y compris, parfois quand je parle, c'est que je pleure, mes larmes pleurent même. C'est que moi-même, y compris, il y a une catégorie d'hommes ici que si Dieu pouvait nous montrer les cœurs, le film de ce style de personne. Il les embête, tu ne t'arrêtes même pas quand il te dit bonjour. C'est que parfois on accorde le bénéfice du doute. Tu te dis que d'autres même viennent te draguer avec, ils se victimisent. Toi aussi tu as un cœur d'amour. Tu te dis que non, peut-être, oui. Parce que quand on disait aux gens que c'est toi-même qui avais exposé la nudité de la mère de tes enfants. Tu avais quand même le bénéfice du doute et les gens disaient peut-être, peut-être, on ne sait jamais.
Quelques semaines avant, qu'est-ce qu'elle a fait la mère de tes enfants? Avant que tu ne clashes ton ex-femme, elle a commencé à faire les statuts visés. Jusqu'à elle faisait les voices, pleurait que je ne reconnais plus mon mari. Madame, vous avez été une femme infidèle, vous êtes une bordel. Femme infidèle, en avion jamaïcain, vous défoncez ici. Je suis désolée de dire les gros mots. Quand les femmes parlent, taisez-vous. Il faut savoir encaisser. Elle n'a jamais été la cause de ta séparation. Elle ne connaît, n'était même au courant de rien du tout. L'homme est venu draguer avec beaucoup de valeur et que je vais te protéger avec le respect. C'est ça qu'on appelle protéger une femme. Même si vous vous séparez, il y a les ex ici, papa. Que même si vous vous séparez, il y a quelque chose. Moi, il y a des choses ici, j'appelle mon ex, c'est lui qui gère. Il y a des choses, je sais que, bon, quand je faisais telle chose, c'est lui qui m'avait aidé, j'appelle mon ex, c'est lui qui gère. Quand j'ai un souci, je l'appelle. On peut se séparer, mais on garde quand même ce respect-là. Hein? Comment vous pouvez justifier les pleurs d'une sorcière? Non, une sorcière pleure. Elle pleure vraiment ces choses. Elle ne pleure pas ces choses. Un frigo. Un frigo. Vous prenez même des gens pour qui on vit où même, on nous sommes même où là, on vit dans un village où on te dit où on, je ne sais pas quoi où, où on ne sait même pas comment on va faire les choses. Un frigo et trois caleçons déchirés, ce sont mes choses, j'avais mes choses. Elle est venue avec un camion parce que toi-même tu vois tout ce que tu as raconté hier, tu ne vois pas que ce n'est pas, ça n'a pas de sens. Le linge sale se lave en famille, grand-père, toi-même tu as dit ça hier parce que tu es un grand-père. Grand-père, tu as dit que le linge sale se lave en famille. Qu'est-ce que tu as fait à ta femme? Quand c'était ta femme, le linge sale ne se lavait pas en famille. Papi, quand c'était ton épouse, le linge sale ne se lavait pas en famille. Tu es venu lancer la femme de toi à la verdict populaire. Tu es l'auteur, compositeur de sa descente aux enfers. Assume-le, ne sois pas hypocrite. On est non musclé, Johnny Bravo, non, petit en bas, gros en haut, non. Pourquoi tu n'assumes pas en fait? Papa, je ne te clash pas. Je ne te clash pas, mon père. Je te dis juste ta vérité. Arrêtez de prendre les Camerounais et les internautes comme des fous. Arrêtez. Arrêtez de le faire. L'autre est partie là-bas, elle m'a insulté. Je n'insulte pas une femme qui ne m'atteint pas à la cheville. Je ne peux pas t'insulter, je vais te dire quoi? Les oiseaux s'amusent par catégorie. Qu'est-ce que je vais répondre à une femme qui n'a pas de maison? À une femme qui n'a même pas, je ne sais pas, Dieu m'a tout donné. Demande à la nature te comble. Je suis une personne comblée. Je ne peux pas t'insulter. Insulte-moi matin, midi et soir. Tu ne m'attends pas à la cheville. C'est juste ça. C'est juste ça. Je ne peux pas te clasher, je ne peux pas t'insulter. Je ne peux pas dire que Suze, ce n'est pas mon problème en fait. C'est tout ton travail comme ça. C'est l'aigreur, l'excès d'aigreur. Elle n'a pas de travail, elle n'a pas de maison, elle n'a pas de vie. Et comme elle n'a rien à faire de sa vie, elle cherche à détruire la vie des autres. C'est une femme qui a besoin d'attention et d'affection. Pour elle, c'est les likes et les cœurs qu'on envoie là qui la pèsent. Donc elle ne peut ne pas allumer sa caméra. C'est tout. C'est tout. Pourquoi vous faites les choses comme ça? Pourquoi vous voulez tromper les Camerounais? La femme d'autrui a son événement. Mais qui soigne? Tout le monde, même le père s'est venu avec les muscles. Le père, tu ne pouvais pas allumer ta caméra après l'Olympia. Le père, on ne t'a pas oublié comme ça ne te suffit pas. Le père, si tu vas l'arranger, tu dis que le linge sale se lave en famille. Il ne fallait pas faire ce que tu as fait hier. Tu as quand même, tu fus. Tu fus. Avant de faire ton direct, tu as vu ce que Mayama Asama, la sorcière, a fait. Oh, il va faire, il va dire, il va vous dire, l'ex-mari, tu n'as pas honte. Le père ne fallait pas faire ce direct. Tu ne fais que signer ta descente aux enfers. Un bon minute très fort. Vous aviez, vous me dites que vous étiez à l'école. Même la petite sagesse du village qu'on donne souvent là quand l'enfant sort du bas, même si vous êtes sorti du bas. On te donne quand même avec une petite bénédiction quand tu sors du ventre de ta mère. Vous n'avez pas cette petite sagesse-là. Elle veut ces choses. Un bonbon, on peut appeler un bonbon les choses. On peut appeler un stylo les choses. Est-ce que tu peux carrément dire la vérité, papa, grand-père, aux cheveux blancs, Rastaman, Bangaman, que les choses qu'elle réclame là, ce n'est pas ce qu'il n'y en a pas. Parce que vous savez, mes sous-love, le français est bizarre. Hein?
Tu peux dire les choses, les gens vont croire que c'est des choses énormes. Dites les choses, il faut dire les noms. Mettez les noms, mettez l'accent sur les choses qu'elle demande. C'est de ça qu'il s'agit. Mettez l'accent sur les choses qu'elle demande. Un frigo, trois caleçons déchirés, quelques petits vêtements. Rien à voir avec ce que la sorcière veut vous faire comprendre que c'est ça que je demande. Je vous assure que, Mrs. Love, vous savez, moi, je ne suis pas quelqu'un du faux. Je n'aime, j'ai un défaut, je n'aime pas l'injustice. J'ai vu cette injustice venir, je me suis dit, merde. Mais c'est quelle histoire, ça? Ça me bouffait, je me disais que si je reste tranquille, c'est comme si j'étais complice. Nia yine, nia bwane, sul gibela kan. Ha! Sul gibela kan. Nia yine, nia ndam nize ma minga, minga boki. Minga boki. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Donc, monsieur le Rastaman, je reviens sur toi. Parce que tu sais que c'est toi l'auteur-compositeur du problème. Quand cette femme publiait les vidéos, depuis qu'elle publie les vidéos, là, si c'était vraiment ton ami, pourquoi tu ne lui demandes pas de ne pas publier les vidéos? Pourquoi tu n'as pas fait un post, comme vous aimez voir, là, prendre les internautes à témoin? Pourquoi tu n'as pas fait un post que tu te dédouanes de tout ça? Comme tu, quand tu as fait le post, quand cette femme s'insultait, et il y a encore le post là où tu as dit que le serpent qui me mord aujourd'hui va te mordre demain. Cette femme, on ne l'envoie pas. La fille de Truy est neutre dans son coin. Les gens s'agitent autour d'elle. Vous attendez qu'elle vous réponde, elle ne va jamais vous répondre. Vous attendez un live, elle ne va jamais parler de ça. Jamais. Elle ne va jamais vous dire, donnez-leur. Les pigeons ne volent pas avec les hiboux. Ce n'est même pas le pigeon. Le faucon ne vole pas avec le hibou. Il n'y a pas match. En fait, il n'y a pas match. Quand je vois les gens s'agiter. En fait, vous prenez carrément les réseaux sociaux comme si c'était la réalité. On va aller chercher. En fait, vous allez vous placer. Ça va se passer comment, en fait? Ou bien vous parlez aussi parce que voilà, il y a du monde. Les gens vont vous écouter et tout et tout. Quand cette femme filmait, pourquoi tu n'as pas mis un poste que, à cette époque, la dame de la maison n'était pas dans sa maison? Quand cette femme arrivait chez la dame là, elle avait sa nounou qui était payée. Est-ce que c'était écrit devant son portail recrutement d'une nouvelle nounou? Non. Ce n'était jamais écrit sur son portail. Elle a juste cédé. Elle t'a dit, toi, monsieur le Margouya, comme ton ami est en difficulté, je ne suis pas à la maison, je l'ouvre ma porte. C'est le bon cœur de cette femme qui est en train de l'enterrer aujourd'hui. Toi, en tant que Margouya, quand tu sortais donc de la maison, il fallait prendre ta Margouyarette, tu partais avec. Pourquoi tu as laissé un bumbe, un bensissim, un koum, otan? Pourquoi tu as laissé madame l'otan dans la maison de la femme là? Tu savais ce que tu faisais? Quand elle a balancé la première vidéo, qu'elle filmait la maison et balançait, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as ne serait-ce que fait un post? Toi qui tu dis que le linge sale se lave en famille. Toi tu dis quand même que le linge sale se lave en famille. Pourquoi tu n'as pas appelé madame Lotan Okun, Françoise, la sorcière? Pourquoi tu ne l'as pas appelée pour dire ce que tu fais là n'est pas bien? Ne le fais pas. C'est moi qui t'ai amené dans cette maison. Un ami écoute son ami. Hier, monsieur le Rastaman, vous êtes venu, vous avez commencé à parler les mêmes injures que cette femme. Ça veut dire que vous êtes en contact, vous vous parlez au téléphone. C'est juste que vous avez eu honte de clasher, d'insulter comme d'habitude. C'est la honte. Parce que madame Lotan s'attendait que vous allez faire pire. Madame Lotan s'attendait que vous allez faire pire. Et vous, vous n'avez pas fait pire parce que vous avez vu les yeux des gens. Tellement les gens vous ont dit que vous êtes devenu plus laid qu'avant et c'est vrai. Voilà. Parce qu'avant, quand même, voilà quoi. Ça brillait, c'était là. Bon. Nous avons boit bien, mais voilà. Bien, genre. Mais maintenant, nous sommes Satan.
À nos marabouts, nos sorciers, nos bumbas, on voit y'en a qui s'assemblent, se ressemblent. Mon père, n'allume plus ta caméra. Hein. Laisse, nous avons compris. C'est pas un clash. Moi, je te respecte. Mais laisse la femme là tranquille. Jorinye mion. Vanye mani nyewe vouvoué. Amou wonga ndam ni yoldiye. On bol minga suo soum ni miezi ndamen. Mama kwaba. Ceux qui veulent dire qu'elle est tous ces tribalistes, quand tu regardes même dans le dictionnaire, le mot tribaliste, c'est mon nom qui est à côté. Quand je vais dire ma chose ou faire ma chose, est-ce que je me cache? C'est-à-dire, on ne m'utilise pas, on ne m'envoie pas. Laissez la pauvre femme de truie. Personne ne peut m'envoyer. Quand j'ai à dire, je dis et je ne passe à autre chose. Ma part ne part pas loin. C'est comme ça. Le père laisse. Nous avons vu, entre-temps, tu as assez noirci. Je ne sais pas, fais des gommages, reprends ta vie à main, fais tes choses. Hein? Fais tes choses. Car madame la sorcière, ou tana ou mon mari Françoise, non. Makota, c'est moi qui t'ai amené là-bas. Marie Françoise, en galotane. On t'a déjà dit qu'on va te. Les gens vont faire les litchis, on va te donner l'argent. Un de waké, waké, sabotage ou soi-soudé. Ça veut dire que tu as un autre problème dès le départ. Je t'ai dit dès le départ que ton problème a été prémédité. On était à la prière l'autre jour. La dernière fois. Tu vas même faire souvent. Tu vas même souvent faire quoi la rue du Bac? Comme tu m'avais dit, vraiment, mais je viens souvent déposer ma croix ici. Jésus ne peut plus porter ta croix. Quand on regarde, même Jésus t'a dit que ma fille va d'abord. Voilà la folie. Ensemble, on sortait de la prière. J'ai tout fait. Marie-Françoise Otanangalokon. J'ai tout fait. Je t'ai supplié. J'ai mis mes genoux au sol. Je t'ai demandé pardon. Tu as, en fait, mes sous-love, il y a une catégorie de personnes que quand ils font les problèmes, plus tu vas même supplier, plus ils vont prendre la grosse tête. Donc cette femme croyait que comme je suppliais, c'est que, en fait, elle a le pouvoir. Quand quelqu'un te dit ne bagarre pas, c'est parce que la personne la t'aime. C'est parce que la personne te je ne sais pas, ne veut pas que, voilà quoi, que tu te ridiculises. Ce n'est pas parce qu'on a peur de toi. Quand quelqu'un te dit ma soeur laisse, jusqu'à allumer la caméra m'insulter. Ou ne me jamte. Un tien me belle, abîme me belle, abîme me autre entrepreneur, moi me belle. Les moyens de ma politique. Boy me bien. Ne me sonne pas sinon, yen mwanga ou un bon, un bon. Boy me cardé, amena. Aussi qui me jamte carte au zom ici. Zom te maman te kibo. Parce que je dis, c'est ma chance, c'est une bénédiction. La bénédiction, c'est Dieu qui la donne en fait. C'est pour ça que je ne m'azarde pas, ne clash pas les gens. Je n'insulte pas les gens parce que je n'ai pas fait un concours pour être ce que je suis. Je n'ai pas fait un concours. Yo ne t'arrête pas, t'arrive au bonbon. Agnia. Goua, j'aurais aimé un gars amion. Anga yale qui est au tombeau non bois. Mais qui est l'association? On ne m'entend pas dans galotan. On ne m'entend pas derrière en train de dire que. Derrière les caméras, fais, vas-y, parle, insulte, fais ceci, ça ne change rien. Nous mourons, ça y est, nous ne marguya. Ungoro. Marguya, mais ne disais, ungoro. Ungoro, il y a un car, un bacar, un bacar, un ungoro, ungoro. Batsona, ou, 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 pas derrière, oui, 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 devant les caméras. Vraiment, tout ce que tu as dit là, quand on analyse, on sent que tu disais seulement que voilà, misme pour les yeux des gens. Le margouya et sa margouillarde. Qui me coupe, coupe le mingoumbe. Elle a donc ouvert les yeux, elle a ouvert les yeux dans son maison. Elle vous balance, vous deux d'ailleurs, le margouya et sa margouillarde. Le coup, un moment qu'on bat un galakoum. Otana, banonon. Nyambo poubli mina sang, mozomanga ke. Mozoma boya les pleurs, vous pleurez quoi? Donne les choses. Yakoubane les choses. Quand on entend que yinyinyaba koum tupu no koupa. Akoubane minye minye. Anon toi vat. Non, en fait, je clash pas, hein, en cause. C'est ma famille. Pardon. C'est ma famille, donc, vous savez, en famille, ça peut arriver, mais c'est love. Ça peut arriver, donc,
C'est que, en fait, je n'aime pas l'injustice. Quand il y a l'injustice, quand il y a les... C'est pas parce que l'autre camp ne parle pas qu'on va croire que non, ne faites pas ça. Ne faites pas ça, très, 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 ne faites pas ça. Vous exagérez. Si tu voulais arranger ce problème, papa, tu allais arranger. Tu allais l'appeler. Tu allais lui dire, ne fais pas ce que tu fais là. Tu allais dire des choses. Tu allais parler. Quand c'est ta soeur, le linge sale se lave en famille. Donc, en fait, ça prend ce sens-là quand tu veux. Donc, le linge sale se lave en famille. Tu as quand même publié la mère de tes enfants nus. Donc, ça veut dire que c'est le travail que tu fais sur les femmes des gens. Dieu ne t'a pas donné les filles, le père. Abbé, abbé, si tu vois comment quelqu'un ressemble à son comportement, abbé, abbé, le fou. Il les a mamie, ils ont remis le nom, ils ont kiffé, ils ont fait un lot, ou si l'inga boya, ils ont fait un petit de kmanyang, amena, et anti-zambi tamnyayem. Ma soeur d'une autre mère. Il n'y a pas de boum, mais si, n'y a pas de boum, on fait même les trucs qu'on faisait, même on mettait les bandeaux aux yeux. On appelait même ça, on disait, le jeu là même, on l'appelait même comment? C'était le jeu de cache-cache quand on t'avait bandé les yeux, ma soeur. Abédé, mon son menin, ni bidi bougoro. Hey! Abé, abé, abé. Abé, nous faut, oui, sous quoi, il balouondo. Très man dignité, très man élégance, très man classe, très tôt, djon, djon, man ou très pap. Nous avons vu la mère de tes enfants ici, hein. Que les sons se baladaient comme ça, zarla, 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 zarla. Moi, ça me faisait de la peine. Moi, ça me faisait de la peine. Je me suis dit, mais. Moi, je n'ai même pas cru. Parce que vous savez que moi, les choses sur les trucs des gens, les vies des gens, gars, je n'avais pas cru. Je me suis dit, non, un homme ne peut pas faire ça, la mère de ses enfants. Parce que tu peux mettre marié, en fait, vous vous séparez. Tu peux pas à ce point. Je n'avais pas cru. Quand ce monsieur a ouvert la caméra, ce qui sortait de sa bouche, quand... Hey, yeah! Ungoro! Yungoro yibam koko. Unene zaben. Ibam koko. Hey. Ungoro imena nena tefe. Yay. Papa, ne fais pas ça. Laisse, ça t'a dépassé. Avoue que ça t'a dépassé. Laisse les femmes faire leur truc. Mon père, quitte dans ça. Ce n'est que là où les Camerounais, c'est ce que les Camerounais te reprochent. Toi-même, tu es venu porter le nom de quelque chose que tu ne, que peut-être que tu ne maîtrises pas trop. Les Camerounais, en fait, ont vu ton vrai visage. Oui, on croyait que c'est l'autre là-bas, là. Ta soeur du village que tu es parti porter au village, avec les enfants, tu as enlevé, tu as amené, tu as lavé, tu as tout fait, qui a commencé à faire le pinou-pinou. Nous avons vu comment le Jamaïcain, même pas devant, hein, même pas devant, parce qu'une fois même, tu peux tromper ton mari qu'on prend le trou du devant. Un Jamaïcain est venu, Bingayen avait les yeux comme ça. Mon père, personne n'a parlé. En tant qu'Africain, je suis venu m'asseoir sur ça comme ça, là. Tout le monde est venu s'asseoir sur ça. Ça, ce n'est pas les choses qu'on parle. Ça, c'est le linge sale. Écoute bien. Ça, c'est le linge sale qui doit se laver en famille. Personne n'a parlé de ça. Je dis, personne. C'était du vu et ignoré. Parce qu'il fallait protéger l'image de la femme. Parce qu'on ne sait pas pourquoi c'est arrivé. Il fallait de la compassion. Nous avons compati. Mais derrière cette compassion, tu es venu nous montrer que non. On nous nomme Satan. On nous nomme Kung. La femelle de Hibou, la Hibouze. Tu as donc pris ta Hibouze. Tu as amené chez la fille d'autrui. Vous avez donc commencé à faire du sale. Quand elle a commencé à ouvrir les yeux, c'est quel homme, si moi-même, on prend mon téléphone, on installe une application, moi-même qui soi-disant sainte que je suis, que je ne suis pas à Kabzourou. On va trouver, il y a des hommes qui m'écrivent, ils ne se fatiguent pas. Mon bébé, mon amour, mon cœur, tu as bien dormi, que Dieu te bénisse. Les enfants vont bien, mon doudou, mon amour. Si tu tombes sur ça et que tu ne comprends même pas la provenance de. Tu vas te dire que la fille, si elle vend même le poivron bien, elle vend même plus en détail, elle vend en gros. Quelle toupet, quel courage. Et tu es venu nous dire que tu as installé, tu étais fier de toi du forfait, que tu as installé l'application dans le téléphone. Et tu es venu nous dire sur la vie privée d'une personne. Donner les détails, papa. C'est le jour-là que tu as poignardé le cœur de beaucoup de femmes.
tu pouvais l'arrêter comme ça là même, clé 14 derrière la porte même, faire même comme un homme, que l'homme te parle dans les yeux, il allait te demander pardon. Parfois il y a des choses que nous n'avons pas besoin, ou tu n'es pas obligé de dire en public. Ne dis pas. Parfois tu crois que c'est pour terner l'image de l'autre. Les gens ont donc compris que on est Johnny Bravo, tu es gros en haut, petit en bas, Brahman et Bin. Parce que la preuve, quand on refait la Genèse, nous avons vu un Jamaïcain qui a fait le pinopino à la mère des enfants. Ça veut dire que tu es seulement gros en haut, petit en bas, c'est tout. Peut-être au la langue du Marouya, donc accepte que il y a des gens, vous voyez, sur les matchs ici, les joueurs signent forfait. Signent forfait. Ça ne fait pas de toi. Ouais, nous avons mieux vaut un mauvais arrangement. Toi-même, commence à l'appliquer. Moi, j'étais dans ton truc là hier, j'étais assise, je te posais les questions, je n'ai pas eu les réponses, papa. Mon père, je ne te clash pas, je te respecte beaucoup, comme ça. Je dis juste ce que je pense et ce que beaucoup de personnes n'osent pas te dire. Laisse les femmes là, toi seule, tu peux appeler la femme là, tu laisses ce que tu fais là. Tu veux combien, même s'il faut cotiser, tout le monde va cotiser. Personne ne veut les problèmes. Personne ne veut les problèmes. Combien de personnes ont voulu arranger? Très. Je ne suis pas là. Je vais faire du sale. Je vais la démolir. On est en démolir. Mais Facebook donne les ailes. Hein? Waouh. Et ce qui est bizarre, c'est que tu vois une femme, elle allume la caméra, elle mousse. On est en... Quand la vie t'a tourné le dos, le vent ne souffle plus de ton côté. Même le vent t'a tourné le dos. Ton côté là, c'est l'obscurité, c'est normal que tu cours derrière le soleil. Où elles en viennent, c'est tout à fait normal. Tes disciples des neuvaines ne t'aiment pas. C'est les gens qui s'ennuient, n'ont rien à faire. C'est les femmes qui pleurent souvent la nuit, qu'elles ont trop de problèmes. Pour ne pas pleurer, elles viennent t'écouter. Elles t'appellent, vous pleurez ensemble. Vous pleurez ensemble. Je t'ai supplié, je t'ai dit laisse. Mon wabrenyo. Susan n'a rien, tu vis chez moi. Et je ne suis pas dans les trucs que j'entends souvent que vous insultez les gens. Je suis chez moi. Je suis chez moi en fait. Je n'ai pas de problème. En fait, Dieu m'a tout donné. C'est pour ça que je n'ose pas souvent insulter les gens. Sur quoi que ce soit. Pas du tout. Je n'ose pas. Pourquoi est-ce que je vais t'insulter? Ce n'est pas moi qui donne, c'est Dieu qui donne. Si Dieu me fait grâce, c'est pas de ma faute. Ou bien si Dieu ne te fait pas grâce, c'est pas de ta faute. C'est pour ça que je n'ose pas souvent insulter les gens. C'est tout. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas, on ne se vante pas, on ne montre pas qu'on a. Il y a une qui est venue me dire ici qu'il a l'immeuble R plus 1. Renseigne-toi ce que j'ai. On ne vient pas ici, là, on ne vous parle pas parce que vous prenez les gens, vous respectez les gens selon ce qu'ils ont. C'est les tonneaux vides qui font beaucoup de bruit. Quelqu'un qui ne parle pas trop, qui ne met pas trop l'accent sur le matériel, il faut avoir peur de la personne. On n'est pas obligé de tout vous dire. On n'est pas obligé de tout vous dire. Je vais te démolir. Tu ne peux pas demander à ta épouse que... Parce que c'est ta femme. Le hibou et la épouse. Hein? Que laisse tomber. On va gérer. Laisse tomber, on va gérer. C'est les pleurs. Elle fait les pleurs. C'est les cris de pleurs. Vraiment, comme elle pleure. Vraiment, il faut l'aider dans ses pleurs. Elle pleure vraiment. Et que, vraiment, les pleurs. Entre-temps, la honte que tu es venu faire à ta femme, on doit t'applaudir. Non, dis-moi un peu. Moi, je suis assise là. Les gens me doivent l'argent comme ça. Il y a les gens qui me font souvent les choses ici. Pourquoi je ne viens pas mettre leurs photos ou bien exposer les gens? Parce que il ne faut pas le faire. Il ne faut pas. On ne fait pas ça. Ne faites pas ça. Tout le monde n'aime pas s'afficher. Et si on ne s'affiche pas, ce n'est pas parce qu'on a peur de quelque chose. Moi, si je vois quelqu'un venir me dire ici que tu parles, ça me dit quoi? Moi, je suis averti. Très averti même. Tu vas me dire quoi? Tu vas m'apporter quoi? Tu vas ramener ma mère de la tombe? Ça, vous me faites rire.
Vous pensez que parce que les gens fuient les problèmes, c'est qu'ils ont peur quand tu vas parler, bien quand tu vas l'insulter. C'est juste que les gens n'ont pas le temps des insultes et des trucs à la con. On s'en fout en fait. Nous sommes au-dessus de ça. Je suis la terreur, je suis la terreur. Tu peux terrasser qui? Tu peux terrasser qui? La terreur est d'abord physique. Ne peut-elle pas non voir le physique? Inyungi. Peut-être voici, bon, présentons-nous, tu es une femme doit avoir peut-être une cuisine, un petit chez toi et tout, rien. Ou bien le moine. Quand vous voyez une femme heureuse avec ses enfants bien entourés, qui vit sa vie, ça devient les problèmes. Mais si vous faites très attention aux gens qui vous entourent. Faites très attention aux gens qui vous entourent. Voilà ça. Et la fin ne s'arrête pas là. Il a fallu que Margouya Agnac soit, il commence aussi à venir nous faire l'hypocrisie. Allah, l'Olympia, je respecte. Le linge sale se lave en famille. Le ceci, le cela, tu as ton deuxième forfait. Ça, c'est tout ce qu'on connaît. Ça, c'est tout ce qu'on a vu. Imagine ce que tu fais aux femmes dans le noir, les femmes qui ne sont pas connues. Imagine. Imagine. Si tu as pu faire ça à la mère de tes enfants. Beyombe femme, quatre garçons, c'est quatre ou c'est cinq ou c'est combien de garçons? Si tu as pu le faire à la mère de tes enfants, tu veux épargner qui? Tu ne peux épargner personne. Tu racles tout ce qui est sur ton partage. Je te peur, ma peur. Je ne vais même pas dire que j'ai peur de toi. Je te peur, ma peur. Quand je vois la peste. Je dis, tu fais peur aux gens. Juste pas par le physique, et ton comportement en dit long. Donc, et le comportement et le physique. Vraiment, il n'y a rien à dire. Et le cœur. Vraiment, il n'y a rien à dire. Même chose. Même chose. Donc, laisse les femmes, laisse la femme là continuer. Elle va se fatiguer seule. Elle dit qu'elle ne peut pas se fatiguer. Elle va se fatiguer seule. Tout ça, c'est parce que, oh, l'Olympia, l'Olympia. Maman, j'ai déjà mes 4 billets, 400 euros. J'ai pris 4 billets à 400 euros. Mais si vous leur prenez, allez dans le site de l'Olympia. Ceux qui ne connaissent pas, allez dans le site de l'Olympia. Vous tapez Olympia. Conseil Lady Ponce à l'Olympia, si vous ne connaissez même pas. Tu entres sur Google, tu tapes Conseil Lady Ponce à l'Olympia, il y aura le lion, tu cliques. Et y a, on va te montrer où tu veux t'asseoir. Il y a les places de 50 euros. Il y a les places de 75 euros. Il y a les places de 100 euros. Amenez qui vous voulez. Moi, j'ai pris ma délégation. 4 personnes. Si tu veux, tu viens là. Tu arrives ce jour-là. Je suis en basket. Ma seule Lumika. Claire et net et précis. Parce que certaines personnes pensent souvent que la sauvagerie, la barbarie, l'insolence, le manque de respect est né chez eux. Donc, comme tu es là, tu ne parles pas. Ça veut dire que non. Tu es une morviette. Tu ne peux pas parler. Tu es le Jacques. Voilà. Vous connaissez le parcours des gens? Vous connaissez le parcours des gens? Viens faire ta maman. Demandez aux gens. Les gens sont venus me menacer sinon. Si quelqu'un a déjà eu le courage de m'arrêter dans la rue, que oh toi là. Vos choses que vous faites sur les réseaux sociaux, que les gens viendront vous regarder. Maman, ne t'arrête pas. J'enlève vite mes chaussures. On part avec les mains. Ma part ne part pas loin. Ma part ne part pas loin. Ma part ne part pas loin. Les histoires que moi j'ai le temps de me chamailler. Je n'ai pas assez de temps. C'est du tic au tac. Si tu es même le genre que tu cherches moi seulement, ma part ne parle pas long. Et qui est? Ma part, tu peux parler, moi je m'en fous. Mais en face, face to face, moi je n'aime pas les histoires de caméra que ça. C'est une fouangue, ça dérange. Parce que, minganga son mi manaïno, vous finissez avec la bouche, bon là on essaie aussi avec les mains. Voilà, on voit un peu. Donc, Mrs. Love, revenons à nos moutons. Il y a les places de 100 euros, il y a les places de 75 euros, et il y a les places de 50 euros. J'ai appris mes 4 billets et j'ai demandé à quelques-unes de mes sous-olofs, celles qui veulent venir avec moi. Je peux encore prendre même deux sous-olofs. Vous voyez un peu, non? Donc, je vais encore prendre même deux de mes sous-olofs ou quatre de mes sous-olofs après ou cinq même. Moi, ça ne me dérange pas. Les gens qui veulent venir à l'Olympia, je veux même cinq noms. Donnez-moi vos cinq noms au plus 33 6 56 80. Que les femmes, ils ne veulent pas les hommes, ne marchent pas avec les hommes. Que les femmes, c'est le jour là que on va à l'Olympia. Après l'Olympia, on va au brouillon, on va manger, on va s'éclater. Ce jour là, c'est le jour de. Et comme j'ai ma fille, je ne sais pas, en même temps, je suis en train de réfléchir. Comme j'ai ma fille qui est fan de Lady Ponce, elle chante toutes ses chansons. Un cœur me dit, parce qu'elle ne fait que me harceler, que maman, je viens avec toi, je viens avec toi. Soit je l'amène, elle n'a que 7 ans.
Soit je l'amène comme il va se faire tard, je ne sais pas. Soit je vais l'amener, soit je ne sais pas parce que ma fille est fan. Mais si après l'Olympia, il faut ne bien me seul ne mornique. Il faut d'abord qu'elle reste. Voilà, parce que il y a un style de comportement qu'on ne peut pas afficher devant les enfants. Parce que devant les enfants, je suis très polie. Je suis bien éduquée, je suis. Voilà. Voilà. Hey, ma chérie, est-ce qu'on parle loin? Quand nous, on finit avec la bouche, on ne parle même pas trop. On finit avec la bouche, on part avec les mains. Si ce n'est pas avec les dents, avec avec les mains. Si on finit avec les mains, on part avec les dents. Si ce n'est pas avec les dents, le coup de tête. Adieu à tout. Le genre que toi, tu dis que oui. Oui, que vous c'est quoi? Vous voulez même souvent montrer quoi aux gens que on ne peut plus respirer. Si on te met même en face comme ça, et c'est le style de personne qu'en face. Ma soeur, ça va? Et que y a ma soeur? Ça y a ni en abo à caméra. Si celle-ci avait la force. Si celle-ci avait la force, avec les mains. Un mof midi. Vous savez qu'il y avait une... Il y avait une femme là. La femme là, non. Ngalakoum. En fait, elle avait espoir que... Elle est en train de voir comment... Elle ne peut pas prester là-bas. Vous voyez un peu, non? Elle ne peut pas cuisiner. En fait, elle est en train de voir tous les plans qu'elle avait manigancés dans sa tête. Sont tombés dans l'eau. Donc, au jour d'aujourd'hui, c'est du sale qu'elle est en train de faire. Elle sent que, comme elle avait les plans, Antigé, j'ai aussi entendu le Margoya dire qu'elle a organisé l'anniversaire de sa soeur. Donc, sa soeur ne peut pas s'organiser l'anniversaire. Elle a gardé les enfants de sa soeur. Quand elle n'était pas là, les enfants de sa soeur étaient dehors. Quand vous entendez même que enfant, la petite fille de 14 ans qui habite là-bas, c'est moi, c'est nous, les nous comme ça qui avons les enfants. Anderson a 5 ans, Kenzie a 7 ans. Si tu dis que tu as gardé les enfants de moins de 10 ans, on peut comprendre. Hé! Hey! Facebook. Hé! Hey, aïe, en bêtise.